signes qui montrent qu'un homme n'est pas amoureux de toi, qui montrent qu'un homme n'est pas amoureux d'une femme. Premier signe, il est toujours indisponible. Un homme, quand il n'est pas amoureux, il n'est jamais disponible. Tout le temps, il est occupé. Tout le temps, il a toujours des raisons. Soit c'est le travail, soit c'est la fatigue. Bref, il a toujours des raisons. Pourtant, un homme, quand il est amoureux, il trouve toujours du temps pour voir sa chérie. Mais quand il n'est pas amoureux, là, toujours occupé. Même si vous êtes dans la même vie, tu dis que tu viens même chez lui, il dit qu'il est fatigué. C'est alors que cet homme qui te déplace juste pour que vous restez ensemble et il dit qu'il est fatigué. Là, c'est un homme qui n'est pas amoureux. Ça, c'est son comportement. Deuxième chose qu'un homme qui n'est pas amoureux fait, c'est qu'il ne prête pas attention aux détails sur vous. Un homme qui n'est pas amoureux, une nouvelle coiffure, tu as fait une nouvelle manucure, il ne remarque pas. Il vient chez toi et remarque tout ça, mais pour lui, c'est comme s'il n'y avait rien en fait. Il ne prête pas attention aux détails sur vous. Tu as même mis un nouveau parfum, il remarque, mais ça ne lui dit absolument rien. Un homme, quand il est amoureux, dès qu'il voit, sa femme ou sa copine avec une nouvelle coiffure, compliment. Ah bébé, tu t'es coiffée, tu es magnifique, la coiffure te va à merveille. Ah j'aime ta manicure, j'aime ceci, il apprécie tout parce qu'il, quand il est amoureux, il prête attention aux détails, il s'intéresse à vous. Troisième chose que fait un homme qui n'est pas amoureux, justement, c'est qu'il ne s'intéresse pas à vous. Il ne s'intéresse pas à vos projets, tu fréquentes, il ne va jamais, il te demande jamais comment avancent les cours, ça se passe bien, tu ne peux pas bien les examens, ou si tu travailles, comment ça se passe au travail avec tes collègues, est-ce que l'ambiance est favorable, est-ce que l'ambiance est chaleureuse. Il ne demande jamais ça. Il ne s'intéresse pas à toi, en commun à ta famille. Il ne prend jamais des nouvelles de ta maman, de ton papa, même si c'est qu'il n'est pas en contact avec eux, même si c'est qu'il ne les a jamais vus. Un homme amoureux prend les nouvelles. Il va te demander comment vont tes parents, comment va la famille au pays. La famille se porte très bien. Bref, il va toujours s'intéresser à toi, à ta vie personnelle, à ta vie de projet et à ta vie familiale. Ça, c'est un homme quand il est amoureux, il s'intéresse. Mais quand il n'est pas amoureux, il s'en fout de tout ça. Quatrième chose que fait un homme quand il n'est pas amoureux. Un homme quand il n'est pas amoureux, il est très avare. Il faut qu'on se dise les vérités. Un homme quand il est amoureux, il donne facilement. Même si c'est peu, il donne quand même. Un homme quand il n'est pas amoureux, il est très avare. Même pour des besoins fondamentaux. Il est avec toi, tu es étudiant par exemple. Il connaît ta situation. Il a les moyens. Tu lui dis par exemple que là, tu as des difficultés à payer ta pension scolaire. Malgré ça, il refuse de t'aider à payer cette pension. Pourtant, il en a les moyens. Il faut savoir qu'il n'est pas amoureux. Un homme, quand il est amoureux, même quand il a 10 000 francs, dans les 10 000 francs, c'est que bon, j'ai quand même ma petite copine, il retire 500 dans les 10 000. Je dis que bon, prends ma chérie, arrête tes poches avec. Voilà comment on fait un homme amoureux. Un homme, quand il n'est pas amoureux, son argent, tu ne vois pas. Et que c'est 5 francs que tu ne vois pas. Pourtant, quand il est amoureux, il voit son argent. Il sait ce qu'on appelle prendre soin d'une femme. Ça, les hommes amoureux. Donc, ça, c'est le quatrième signe d'un homme qui n'est pas amoureux. Cinquième signe d'un homme qui n'est pas amoureux. Un homme qui n'est pas amoureux ne te désire pas. Un homme, quand il est amoureux, il désire toujours sa partenaire. Il a toujours cette envie. Le but, ce n'est pas de passer à l'acte à chaque fois, mais il a quand même cette envie. Un homme, quand il n'est pas amoureux, même il ne te désire pas. Tu es avec un homme, il ne lui dit rien. Il est comme ça. Même il ne fait même pas les tentatives, il ne te caresse même pas un peu. Vous êtes couché sur le lit comme frère et soeur. Il faut savoir qu'il n'est pas amoureux de toi, ma chérie. Un homme, quand il est amoureux, là, il te désire. Il a envie d'être toujours avec toi, de te câliner, de t'embrasser et tout ce qu'il veut avec, en fait. Tous ces petits câlins-là, il a envie de ça. Mais quand il n'est pas amoureux, ça ne lui dit absolument rien. Il est là comme ça, il est couché sur le lit. Il rentre du travail, il se couche, il dort. Le matin, il porte son sang, il ressort. Il faut savoir qu'il n'est pas amoureux de toi, ma chérie. Voilà les 5 signes qui montrent qu'un homme n'est pas amoureux de toi, qui montrent qu'un homme n'est pas amoureux d'une femme. Voilà comment est-ce qu'il se comporte. Tu veux pouvoir glow up, tu veux pouvoir level up, tu veux pouvoir avoir confiance en toi, te sentir bien dans ta peau, avoir une très belle peau d'ailleurs, pouvoir bien t'habiller, pouvoir marcher avec confiance, pouvoir être élégante comme personne. Alors, j'ai mis sur pied un ebook qui va pouvoir t'aider dans ce sens-là. Un ebook mais super détaillé qui aborde tout ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir level up, pour pouvoir glow up, commençant par les cheveux, passant par tes cheveux jusqu'à tes orteils en fait. Donc j'ai balayé toutes ces parties du corps, comment pouvoir le faire, même ta morphologie, comment pouvoir savoir quelle morphologie tu as. J'ai mis tout ça dans cet ebook et cet ebook ne coûte que 7,99€ et c'est téléchargeable en version PDF. Vous pouvez le télécharger que vous soyez en Afrique, en Europe, partout où vous êtes dans le monde en fait. C'est un ebook que vous devez absolument avoir en ce début d'année là. Donc glow up, c'est l'ebook de l'année, c'est l'ebook qu'il vous faut. Toi en tant que femme, tu dois pouvoir avoir un ebook et l'ebook qu'il te faut, c'est glow up.